Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous voulez engager plus votre audience, avoir plus de fidélisation et avoir un meilleur taux de conversion? Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer une stratégie qui vous permet d'obtenir ce genre de résultats. Et ce qui est fantastique avec cette stratégie, c'est qu'elle ne repose pas sur de la publicité, donc pas besoin d'avoir un budget. Elle ne repose pas non plus sur un soi-disant hack, une astuce, un truc magique qui vous permettrait de dépasser vos concurrents et qui, en fait, ne donne en réalité pas vraiment de résultats. Cette astuce ici, elle repose essentiellement sur l'écriture. Je vais vous parler de la force du storytelling. Je vais vous expliquer ce que c'est, mais surtout concrètement, je vais vous expliquer comment faire pour intégrer du storytelling dans votre prochain article et ainsi avoir un article qui engage plus, qui vous différencie de vos concurrents et qui vous permette de commencer à tisser ce lien de fidélisation avec votre audience. Alors qu'est-ce que c'est que le storytelling? Eh bien, des exemples de storytelling, vous en avez déjà vu plein dans des publicités. Il y avait un exemple que je reprends assez souvent d'une publicité pour une chaîne de supermarché, donc Intermarché en l'occurrence, qui était un très très bon exemple de storytelling. Au lieu de vous dire qu'aujourd'hui les pommes de terre étaient en promotion à 1,99€, eh bien tout simplement cette publicité filmait un vieux monsieur qui avait l'air seul dans sa vie et qui reprenait goût à la cuisine. Et au fur et à mesure qu'il reprenait goût à la cuisine, eh bien on le voyait aller faire ses courses, commencer à discuter avec les gens et puis inviter quelqu'un à dîner chez lui, lui préparer un bon petit plat et recommencer à nouer de la relation. Donc on voit bien que ce message est beaucoup plus puissant que de simplement annoncer une promotion sur les pommes de terre. Là, on voyait l'histoire de quelqu'un qui faisait ses courses, qui cuisinait, et grâce au bon petit plat qu'il mijotait, qui reprenait tout simplement goût à la vie. Eh bien, le storytelling, c'est exactement ça. C'est l'art de raconter une histoire dans un contenu, que ce soit une publicité, que ce soit un article de blog, que ce soit une vidéo YouTube, que ce soit une page de vente. Et c'est une stratégie qui est terriblement puissante parce qu'elle va générer de l'identification. Si je vous dis que les pommes de terre sont à 1,99€, vous avez simplement une information qui peut éventuellement vous intéresser si vous cherchez à faire un plein de courses pas trop cher. En revanche, si je veux vous fidéliser, si je veux que vous soyez attaché à une marque, eh bien j'aurai beaucoup plus tendance à vous raconter une histoire qui va donner des résultats à long terme extrêmement puissants. Il y a une marque automobile qui a énormément utilisé le storytelling dans les années 80, 90 et 2000 pour se construire une image, c'est Volkswagen. Et moi je me souviens, donc à l'époque j'étais ado et on voyait que les publicités pour la Golf était vraiment différente des publicités qu'on voyait pour les voitures françaises équivalentes. Il y avait toujours une petite touche d'humour, une petite histoire supplémentaire qui rendait la publicité, donc la voiture, beaucoup plus attachante que simplement une longue description de caractéristiques techniques et de performances qui finalement sont beaucoup moins engageantes que ce que véhicule la voiture en question. Et ce qu'il y a de génial avec les histoires, c'est qu'elles seront forcément uniques. Elles vont dépendre de votre propre expérience ou de votre vision du monde ou des exemples que vous connaissez. Et elles vont également dépendre de votre plume, de votre patte, de votre touche. Et donc si vous utilisez des histoires systématiquement dans vos vidéos, si vous utilisez des histoires dans vos pages de vente, votre contenu sera unique et les gens n'auront pas l'impression de lire un blog ou de regarder une chaîne qui présentent les mêmes informations que l'on voit sans arrêt, même si vous traitez de sujets qui sont des sujets assez courants. Par exemple, je pourrais tout à fait écrire un article sur le trafic de blog. C'est un sujet qui est vraiment bateau. Il y a des milliers d'articles de blog qui parlent du trafic. Mais je pourrais très bien choisir dans mon article de rajouter un paragraphe qui raconte l'histoire d'un blogueur dont la vie change complètement une fois qu'il commence à avoir du trafic et vous raconter comment il a pu sortir du surendettement, comment il a pu aider ses proches, ou comment il a pu lui-même profondément changer son rythme de travail grâce à l'augmentation de trafic. Et en plus de ça, cette histoire, si elle est bien racontée, elle générera énormément d'identification et énormément de fidélisation. Donc le storytelling, c'est la solution pour aborder des niches qui sont concurrentielles. C'est la solution pour aborder des niches dans lesquelles vous avez l'impression que tout a déjà été dit. Alors comment faire pour insérer du storytelling dans vos articles, même si vous n'avez pas de talent littéraire? Eh bien, je vais vous donner une petite méthode que vous allez pouvoir tester dès votre prochain article. C'est parti. Tout d'abord, vous allez rédiger un article tutoriel sans histoire. Vous allez rédiger un article tutoriel classique. Donc imaginons que vous ayez un blog sur le développement personnel et que vous expliquiez que c'est important de lire un maximum de bouquins pour devenir une meilleure personne. Et vous choisissez d'écrire
un article sur comment lire deux fois plus vite. Alors on voit bien que ça pourrait être un article qui est traité sur un blog de développement personnel, mais ça pourrait être aussi un article qui est traité dans une thématique étudiante. Quelqu'un par exemple qui veut passer sa première année de médecine, vous avez un blog qui est vraiment dédié à aider les étudiants en médecine, et vous lui expliquez comment lire deux fois plus vite vu qu'il doit ingurgiter une quantité énorme d'informations. Bref, ça va dans plein de thématiques, pareil sur l'entrepreneuriat, etc., etc. Comment lire deux fois plus vite? Donc vous faites votre tuto, donc vous allez rédiger votre introduction, vous allez rédiger votre développement, donc comment lire deux fois plus vite, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, j'en sais rien, et vous allez ensuite rédiger votre conclusion, avec votre appel à l'action, AAA, où vous allez dire aux gens, bah voilà, n'hésitez pas à essayer ma méthode, vous constaterez des résultats, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter, etc., etc. Donc un article tutoriel classique. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez ensuite écrire un paragraphe à côté histoire. Vous allez écrire un paragraphe histoire, donc storytelling, qui va venir s'insérer entre l'intro et le développement. Il va venir s'insérer ici. Ici, d'accord? Et vous allez le commencer par « Laissez-moi vous raconter un exemple ». Et ça, c'est le moyen le plus simple de passer en mode storytelling. « Laissez-moi vous raconter un exemple ». Trois petits points. Et vous y allez. Et vous y allez. Et donc, vous avez plusieurs moyens de raconter cet exemple. Vous pouvez soit raconter une histoire perso, c'est-à-dire vous n'étiez pas un gros lecteur et puis vous avez commencé à lire, ça a changé votre vie et donc vous vouliez lire de plus en plus et vous avez testé des stratégies et vous avez réussi à lire plus vite et voici ce qui a changé dans votre vie. Donc ça, c'est votre histoire. Si vous n'avez pas d'histoire personnelle sur ce sujet, c'est pas grave. Vous pouvez raconter un exemple d'une personne que vous connaissez. Par exemple, une personne de votre blog qui vous a contacté, quelqu'un de votre entourage ou une histoire que vous connaissez, une anecdote d'une personne qui a attaqué la lecture rapide et qui a obtenu des résultats dans sa vie. Si vous n'avez toujours pas d'exemple à portée de main, vous pouvez prendre un exemple historique célèbre. Et donc, vous allez chercher des informations sur quelqu'un qui pratiquait la lecture rapide. Est-ce que ça a pu lui changer? Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de ce sujet, mais il me semble que JFK, donc John Kennedy, était un grand adepte de la lecture rapide. Et effectivement, ça lui a permis quand même de faire une assez jolie carrière puisqu'il a été président des États-Unis. Donc, il suffit de rajouter un paragraphe, laissez-moi vous raconter un exemple, et surtout, faites bien attention quand vous l'écrivez, de contextualiser. Contextualiser, c'est quoi? Eh bien, c'est de planter le décor, contextualisation, planter le décor pour que les gens puissent s'y reconnaître. Ça veut dire que vous allez dire, c'était en telle année, il faisait beau, il faisait froid, c'était l'hiver, on entendait telle musique à la radio. Je me souviens que telle personne qui m'avait dit ça me l'avait dit de telle façon et ça m'avait fait telle impression, tel sentiment. Bref, vous devez contextualiser, écrire un contexte qui permette aux gens de visualiser le truc et de se dire « Ouais, ok, tu as planté le décor, je vois ce que tu veux dire. » C'est ça, contextualiser, c'est planter le décor. Donc, c'est mettre des indications de date, des indications sur les sentiments, etc., etc. Et vous introduisez ça juste ici, entre l'intro et le développement. Et ça, ça va rendre votre article unique. Donc ici, en noir, on a vraiment des choses qui sont informatives. Enfin, l'introduction, elle est plutôt empathique. Pour créer du lien et que les gens ils aient envie de plonger dedans. L'histoire, elle est extrêmement empathique et contextualisée. Et le reste, c'est de l'info. Et le reste, c'est de l'info et de l'appel à l'action. Et ben, en faisant ça, vous réalisez ce qu'on appelle du storytelling et vous êtes en train d'écrire un article qui est beaucoup plus intéressant. Moi, par exemple, c'est ce que je fais beaucoup sur Traffic Mania.
J'ai des articles sur Traffic Mania où je parle de ma situation familiale, je parle de ma situation professionnelle, je parle de ma vie actuelle, je parle des difficultés que je peux rencontrer, des joies que je peux rencontrer. Et tout ça crée un espèce d'environnement dans lequel vous vous identifiez. Donc j'utilise moi aussi également beaucoup dans les articles storytelling. Et je vous invite à aller lire les articles sur Traffic Mania pour vous en rendre compte. Quels articles utilisent le plus le storytelling ? Ils sont faciles à trouver sur Traffic Mania. Sur la page d'accueil, vous verrez qu'il y a les articles les plus populaires du blog, dans la colonne de droite. Ce sont les articles qui ont eu le plus de commentaires. En général, les articles qui ont le plus de commentaires, c'est les articles qui mettent le plus en avant les histoires. C'est ce qui engage le plus l'audience. Donc ça crée du lien, ça crée de la fidélisation, ça montre que les gens apprécient ces contenus, ils ont envie d'interagir avec vous. Et derrière, ça génère de la vente sur le moyen, sur le long terme. C'est une stratégie vraiment surpuissante qui permet de se différencier, même si vous êtes dans une thématique encombrée. Je termine cette vidéo en vous disant, chers amis, que vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania. Il se passera deux choses. Un, vous recevrez une formation trafic complète. Et deux, vous recevrez par email des astuces exclusives. Donc le seul moyen de les recevoir, c'est d'être abonné à la newsletter et de consulter les messages. Je vous souhaite à tous un très bon storytelling. Je vous souhaite à tous de créer de super articles ou de super vidéos. Et à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao !